T'as quoi, Karim? Bah, du Mans, quand on se rend compte de gueule, c'est ce qu'il fait, c'est pas trop mal. Allô, je connais pas, c'est un loup. Vincent Noir, c'est pas un engagement facile qu'il va avoir samedi? Non, c'est parce que bon, l'autre jour ça s'est pas très bien passé à Bordeaux. Et bon, je veux qu'il recoure un peu quand même, faut qu'il ait un peu des courses dans les jambes, parce que quand il en aura une belle après, s'il manque d'un parcours, c'est toujours un peu embêtant, quoi. Alors je sais qu'on n'a pas une première chance en deuxième ligne, c'est pas évident, il y a des bons chevaux en première ligne en plus. Mais le cheval a bien travaillé ce matin. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Bordeaux? Ben, on sait pas trop, Eric il dit peut-être un peu tombé dans le fouillant. Quand il a baissé les œillères, il s'est un peu affolé, je pense. Et la piste était très dure à Bordeaux. Très 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 dur, donc ça l'a pas avantagé. Là tu me dis que dans son programme c'est pas une course facile pour préparer peut-être deux meilleurs engagements. Oui, il a des meilleurs engagements au mois de décembre. Maintenant ceci dit, c'est un cheval qui suit tous les trains. Donc il faut que ça se passe bien, c'est pas interdit qu'il fasse pas l'arrivée. Hein, parce que c'est mieux que ce qu'on pense, ce cheval-là. Mais seulement il a pas trop de chance. Il est pas trop chanceux comme cheval, ça se passe toujours mal. Il reste un petit peu spécial quand même.